de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ce soir, nous allons dans l'est de la France, précisément à Strasbourg. Alors, avant toute chose, avant de commencer ce live, nous avons appris une triste nouvelle en fin d'après-midi qui nous a été communiquée en provenance de Tahiti. Une personne avec qui nous volions sur FSX ainsi que sur P3D se trouve actuellement disparu suite à un accident d'avion actuellement en cours. Voilà, je souhaitais lui dédicacer ce vol ainsi que à sa famille ainsi que à la personne donc, qui m'a contacté. Je voulais leur souhaiter tout mon courage avant toute chose. Et je voulais leur souhaiter bien sûr que je suis donc avec eux à leur côté, bien entendu, dans cette épreuve qui est juste dramatique et qui peut faire mal. Voilà, donc je souhaiterais avant toute chose, avant de commencer ce vol, lui rendre hommage, lui dire au combien il avait été très gentil avec nous tous et avec qui je trouve que cette tragédie est dure, très dure. Pour nous, nous le connaissions directement sous FSX et P3D. Et, voilà, je voulais lui rendre hommage. Donc on va faire, avant toute chose, une minute de silence. Nous allons partir à 21h. Et je vous dédicacerai, je vous expliquerai après tout le vol. Donc on va commencer cette minute de silence. C'est parti, merci. Voilà, merci à tous, on va commencer donc ce vol. Merci à toi donc Ségolène. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, donc on a appris cette triste nouvelle cet après-midi. Donc je souhaite bien entendu tout mon courage donc à sa famille ainsi donc qu'à la personne donc, qui m'a contacté sur Instagram. Ok, je lui apporte tout mon soutien et tous les éléments que je dispose donc en ma possession. Donc rapide coup d'œil donc sur notre vol. Bon, c'est un vol qui est donc très court, 45 minutes de vol grosso modo avec ce 737-800. Donc de la compagnie British Airways. Donc écoutez, normalement tout est ok pour ce vol. La préparation du vol est donc effective. Donc voilà, on part en 08 gauche à Paris et donc on va contacter donc la tour de Paris 119-250. Voilà, la météo aujourd'hui. Alors la météo me demande, Ségolène. Alors la météo aujourd'hui, c'est du vent du 0,30 degrés à 6 nœuds, donc c'est un vent qui est extrêmement faible. 15 degrés, un ciel parfaitement dégagé et un QNH à 10-15, donc c'est la 0809 en service. Donc on va contacter tout de suite donc la tour sur 119-250. On y va. De Gaulle Tour, bonsoir de Speeder 1787 avec vous en porte Alpha 18, un Boeing 737 en éclair CFR vers Strasbourg s'il vous plaît. Speeder 1787, Paris Tour, bonsoir, vous êtes autorisé à votre destination avec Nagopa 4 Hotel, départ piste 08 gauche. La montée initiale sont le transpondeur 76-60. Alors, Agopa 4 Hôtel. Alors, Speeder 1787, on est autorisé pour Strasbourg avec un départ au Agopa 4 Hôtel. Niveau 100, vous pouvez me répéter le transpondeur, s'il vous plaît, Speeder 1787. Transpondeur 76-55. Ok, 76-65, merci beaucoup. Speeder 1787, ça va être une Bulib 4 Hôtel, je me suis trompé. Bulib 4 Hôtel. Oui, c'est ce que j'avais prévu.
C'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Public à Trentalia, pas de soucis, merci beaucoup. Excellent, c'est tout bon. Rappelez-moi pour mes heures de repoussage. Bubli 4 hôtel, alors Bubli 4 hôtel, 08 gauche, runway, accepted, ok, hop, et 76, 64. To go Tower, good evening, France 10 Tango, stand Fox 68, information Golf requesting IFR clearance to Madrid. Air France 10 Tango, clear destination Madrid, Agopa 4 Hotel departure, runway 08 left, the initial climb 100, squawk 7660. Cleared via Agopa 4 Hotel, departure runway 08 left, initial climb, climb level 1000, squawk 7660, Air France 10 Tango. Air France 10 Tango, read back correct. Allez, on va attendre que Atuba soit inséré. Ground to fly deck. Allez-y. Communication check, please, and confirm the brakes are set. Communications sont bonnes et les freins sont appliqués. Thanks. Speedboard 1787, on est prêt au repoussage, mise en route. Roger, passing east, release the brakes. C'est possible face à l'est, Speedboard 1787 pour le repoussage? Si vous souhaitez. Ok, merci beaucoup. Allez, front parcours lâché. Pushing back. Delta Delta 1403, make the next available right. Next available right, thanks. Delta Delta 1403. Ok, you are clear behind and you can start your engines at your discretion. Oh, Roger. Démarrage 1. Pushback completed, set the parking brakes, please. Front park relâché. Front park appliqué, pardon. Roger. Marche du 2. Alors, merci à toi, Sego, sans image okay, parfaite. The merci. Toolbar is disconnected and the equipment is clear. Merci, vous pouvez nous déconnecter, passer au signe manuel. Au revoir. Thanks, have a safe flight. Clear to.
Parfait, le 2 a démarré. Alors. Tac, monte. Ça. Go ahead, fly deck. Delta Delta 1403 at Obin Point, Tango 3, runway 8, left, ready for takeoff. Delta Delta 1403, Sortmore Charlie, surface winds 030 degrees, 06 knots, runway 08, left, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 08, left, Delta Delta 1403. Donc le tour de speed 1787, prêt à rouler. 17-87, roulez intersection Tango 3 avec Tango Alpha 2 et Tango. Tango Alpha 2, Tango et Tango Alpha 3 pour le point d'attente 08 gauche, merci beaucoup. Clear, et puis dans 17-87, pour référence, vérifiez votre code transpondeur 76-55. Ah, 76-55, bien vu, merci de me l'avoir rappelé, bien vu. 76-55. Ouais, bien vu, je viens de le modifier à l'instant. Merci beaucoup. Hop. Ouais, SPR 1787, on peut commencer le roulage. We have engines shut down for priority. Air France 414, thanks for flying. I'm closing your flight plan at time 08. Thank you. De retour de Speeder 1787, on peut commencer le roulage? Mais tout à fait, c'est roulé piste intersection Tango 3 de la 08 gauche avec Tango Alpha 2 et Tango. Reçu, merci beaucoup, on roule. Là, faut toujours être poli, c'est comme sur ETS 2, faut toujours être poli. Delta Delta 1403, Unicom 122, Dancelane, bye bye. Unicom 12 decimal 8, Delta Delta 403. Ciao! Ciao ciao! Alors, Tango Alpha 2. Et donc on va dans l'est de la France, à Strasbourg, entre Strasbourg et Ilkirch. France 10 Tango, requesting push and start. France 10 Tango, push and start is approved, to face north. Push and start approved, facing north, France 10 Tango. Salut héros, bonsoir, ravi de te retrouver. Donc on part pour Strasbourg, Ilkirch, Grafenstaden. Je vais bien le prononcer parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts par on sait qui. Donc on va éviter, de se faire taper sur les doigts, ce sera un peu con. Fiber de 1787, alignez-vous, piste 08 gauche. On s'aligne, on attend 08 gauche, merci. 1787. Alors c'est, il faut pas se faire avoir à Aero, enfin Manu, parce que en fait c'est Ilkirch, alors Ilkirch, pas Ilkirch, Ilkirch Grafenstaden. Faut bien le prononcer, je sais, ils ont des noms compliqués là-bas en Alsace, je sais bien, je vais me faire taper sur les doigts, tu vois, avant la fin de l'heure, je vais me faire taper sur les doigts. Par contre, je vais un peu mettre des lumières, voilà, je commence à déjà me faire taper sur les doigts. Merci à toi Aero. Je commence déjà à me faire taper sur les doigts, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Et Speeder 1787, 08 gauche, on s'aligne. Merci. Vous êtes prêt pour le départ? Yes, on est prêt pour le départ. Speeder 1787, les vents 03, 0 degrés à 4 nœuds, la piste 08 gauche, autorisé décollage. Autorisé décollage, 08 gauche, merci beaucoup. Allez, pour 7. Eighty knots, checked. V1 audits. Et on quitte Paris et sa région parisienne. Positive climb, gear up.
avec un flaps 1. Alors je crois que pareil, c'est 128-100 après. Je vais me dépêcher. Flaps 1 et un flaps up. Speed 17,87, on passe 2300 pieds en montée. 17,87, Unicom 128, bonsoir. Avec Unicom 128, merci, au revoir. Ah, 128, bon. 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 Allez, autopilot on. Tac. Weather, data. Et voilà. Et l'autopilote sur on. C'est parfait. Alors, vaut mieux pas on prononce correctement Sego. Je sais Sego, je sais qu'on prononce correctement, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, quand c'est comme ça, on se fait taper sur les doigts juste pour des prononciations. Ilkirch Grafstaden, je vais y arriver parce que je dis toujours Grafstaden, je vais me faire taper vraiment sur les doigts, c'est pas possible. Et donc, on file à Strasbourg, Ensign. Donc voilà, c'est un petit vol assez court. Et donc je vous rappelle donc la suite de nos programmes demain en rebelote, nouveau convoi de la LCE demain soir à vivre sur la chaîne de la LRDF officielle. Alors on passe 7000 en montée. Tac, tac, tac. Pouf, pouf, pouf. Là, 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 c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Je croyais qu'il y avait Paris, ben non, ça va être Reims qui va nous contrôler juste après. 10,000. Lots off. Allez, je vais lui demander une accélération, Mach 78. Donc avec une ILS 23 avec une Épinal 6 Victor en verrou de Saverne. Alors je sais pas si ça existe, Saverne dans l'Est, dites-le moi si ça existe, mais normalement je suis un peu, je doute un peu. Mais bon. C'est peut-être une ville, hein, je connais pas. Ah ça existe, d'accord, bon, bah si ça existe, j'ai rien dit. Ça existe, merci. Merci de me le dire, ça existe, c'est cool. Speed 17,87, on approche 7000 pieds Saverne. C'est check. Parfait. Speed 17,87, on a un droit de cap 075. La droite 075. A droite au cap 075, Spire 1787.
très jolie ville, elle existe, c'est magnifique. D'accord, eh ben, écoutez, je ne le savais pas. Merci pour vos observations directes. Allez, je vais demander un flaps 5. Bon, on va demander un flaps 5. Allez, 14 nautiques. Il y a un peu de nuages quand même. Alors, j'ai pas la météo sur Strasse. Et je vous rappelle donc que ce vol est donc dédicacé pour Lewis, un ami qui malheureusement est donc voilà, est parti. Donc je souhaite bien entendu tout mon courage à sa famille, bien entendu. Voilà, ce vol lui est dédicacé, donc voilà, j'aimerais que vraiment pour le rendre hommage, il n'y ait pas de blocage de piste, ça serait vraiment bien. Voilà, histoire qu'on lui rende tous hommage. Malheureusement sur un tragique accident. Allez, 230 nœuds, on approche, ILS 23. Déjà le bord de Strasse. Tu peux me faire descendre Spire 1787 pour plus bas. 1787 maintenant, et encore 7000 pieds. Tiens, 7000. Vous descendez trop rapide. Ah bah oui, mais oh bah, je descends trop rapide. Bah ouais, mais... Ouais, je me doute bien. Bah ouais, mais trop rapide, too fast. J'étais too fast. Ah, c'est con d'être en too fast. Ah oui, l'aéroport d'Ensheim, là-bas. Là-bas, avec ses indications. Très très bel aéroport. Bon, il n'y a pas de trafic qui bloque. Heureusement qu'on a pris du carburant supplémentaire. Avec donc l'approche de la piste 23 à Strasbourg, très magnifique ville, je vais y remercier. Strasbourg approche, Nefis 06, oui, je vous ai donné ça. Nefis 06, Strasbourg approche, bonsoir. Nefis 006, Abyssalé 320, the parking with the CFR, clearance to Lyon. Nefis 006, Clapper Lyon Astral 3 Noël Petri, Pogol 7 Hotel Departure, et sous Climb. Oh putain, j'ai perdu Alexis là. Et sous Climb 7-0, on nous coupe 1000. Pogol 7 Sierra, confirme pour Nefis 06. Pogol 7 Hotel Departure. Pogol 7 Hotel, level 7-0, on scoop 1000, Nefis 06. Nefis 006, c'est correct. Alors, je vais faire la VRF approche. Et bah 1787, on est à droite, 430. À droite au 130. À droite au 130, Spire 1787, merci. Alors, approche VRF, j'allais le faire. 40, 134. Avec approche. Tac. 6-23, boum. Allez, merci. On va réduire.
On voit pas encore la piste, c'est go pour information. Elle est dans le coin, elle est là-bas, je crois. Yes, elle est là-bas. Elle est dans le coin, t'inquiète. T'inquiète pas, je vous sens un peu tout stressé là, les gars. Uber 1747, à droite, cap 200, autorisé à approcher IS, piste 23. Alors, 223. Autorisé à approcher ILS, piste 23, cap 200, Uber 1787, merci. Oula. I get down. Ok. Hop. Speed recount. Checked. 3500 enregistrés. Établi 23. Sur 1787, établi piste 23. Uber 1787, bon. Calme, piste 23, autorisé atterrissage. Avec les vents calme, autorisé atterrissage, piste 23, sur 1787, merci. Nickel, allez. Arrived. Allez, avec l'APU que je check. Alors, elle devrait clignoter la piste. Oui, oui, elle est en face. Elle est juste en face, Ego, ça y est. T'inquiète, t'inquiète. Elle est juste en face. Juste en face de nous. Arrêtez d'être pressé, ça sert à rien. Dans l'aéronautique, il faut toujours prendre son temps. Ça sert aussi à éviter les accidents. Allez. 2500. Et donc avec cette magnifique ville, ville de Strasbourg. Ok, donc nous arrivons. Donc on n'est pas très loin d'Ilkirch, Grafstaden. Dans le 67, Barin. Alors il y a un avion qui est là-bas, à la porte. NFI06, startup and pushback completed, ready to taxi runway 23. NFI006, taxi Echo runway 23. Echo runway 23, NFI06. Continue approach. One thousand.
Allez, reverse. Oh putain, j'ai encore les mêmes soucis que sur les PMDG, c'est chiant. Ah, ça bloque les freins, c'est chiant. Faut foutre les poussées à fond pour accélérer. Allez. C'est normal cette alarme, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est un bug du PMDG. Speedbird 1787, la 23 est dégagée. Oh. Speedbird 1787, bienvenue à Strasbourg. Roulez via Papa, Mike et Parking au choix. Alors, via Papa, Mike et Parking au choix, Speedbird 1787, merci. Alors, ça fait chier. Ça c'est les freins, si vous décélérez en fait l'avion il s'arrête totalement. Et je suis obligé de mettre la poussée à fond. Ça c'est les bugs des PMDG, c'est chiant. Tac. C'est marqué brakes en bas. Donc normalement c'est pas censé. Et donc bienvenue à Strasbourg, il est 22h02 en heure locale, température 12 à Ilkirch et à Strasbourg. Je vais remercier les personnes qui connaissent donc Strasbourg et sa ville ainsi que... Mifi 006, wing calm, runway 3, clear for takeoff. Je vais mettre en face. Line up and takeoff, runway 2, 3, Mifi 06, merci. Je vais avancer un peu parce que la gêne. Avance, avance, avance. Merci. Voilà. Hop, sur off. Tac. Et les feux sur off. Ça sur off. Donc la PV est bien allumée. Ok, je vais éteindre le moteur 1 et moteur 2. Strasbourg approche, bonsoir, Fox Hotel, Mike Charlie, Roméo, en descente vers le niveau 110, en direction de Bérugue. Alors, on a fait combien l'atterrissage? Moins 285. Fox Charlie, Roméo, Strasbourg approche, bonsoir, identifié, prévu le guidage radar ILS piste 23. Je prévois un guidage radar pour ILS 23, Charlie Roméo. Fox Charlie, Roméo. Contient une descente de 7000 pieds QNH 1015 stable sur Saverne. Je descends 7000 pieds stable sur Saverne et QNH 1015, Charlie Romero. Hop. Hop. Et donc vous aurez donc le replay donc de ce vol juste après. Je vais remercier Alexis. Je vais tous vous remercier donc d'avoir été là ce soir. Un grand merci. Ah, oui, c'est parce que j'ai pas switché sur la PU. Oui, 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 j'arrive. Ouais, ça va, hein. Donc, ça sur off. Hop.
ça, ça, ça. Voilà. Ensuite. Voilà. Hop. Et je vais remercier Alexis juste après. De Strasbourg approche, 8h17:87 à la porte pour quitter la fréquence. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci Alexis, c'était parfait ton compte. Ciao, bye bye. Donc, dernière petite chose avant donc, de tous se quitter, donc se retrouver demain soir. Je voulais dédier ce vol pour un ami, Lewis, parti trop tôt, beaucoup trop tôt. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais remercier tous vos messages, donc bien entendu Aero3D. Je vais remercier tout le monde d'avoir été là sur cet épisode ce soir. Je souhaite bien entendu bon courage à sa famille. Merci de vos messages qui ont été extrêmement gentils. Voilà, je tenais à vraiment tous vous remercier. Voilà, parce que je sais que pour sa famille, ça doit être une épreuve qui doit être extrêmement douloureuse. Voilà, ce vol lui était rendu pour hommage. Voilà, j'espère que sa famille, voilà, s'en remettra. Je sais que c'est une épreuve difficile, je me doute. Voilà, maintenant, elle a tout mon soutien. Je remercie bien entendu la personne avec laquelle je suis en communication avec Tahiti. C'est loin d'être évident avec le décalage horaire. Voilà, un grand, grand, grand merci à vous tous. Merci pour votre gentillesse, merci de nous avoir suivis ce soir, bien que ce fût une édition spéciale où on rend hommage donc, à Lewis, parti trop tôt. Voilà, on ne sait pas, on ne connaît pas les raisons et je ne vais pas plus m'épancher là-dessus parce que je veux attendre les résultats de l'enquête. Voilà, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis et puis bah, sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Merci à vous tous et bonne soirée. Ciao tout le monde.